chambol ta bay di jël baro di chambol Mounting, village situé dans la commune de Bonkontou, dans le département de Velingara, dans la région de Kolda. Mounting est créé au mois de mai en 1941 par Demba Diabou Sabali. Demba Diabou Sabali est venu de Sambayar, d'un autre village à côté. Suite à la demande du commandant supérieur qui était à Ziguinchor. En son temps, c'était la période où c'était les cantons. Et son frère, Elhadj Aliou Sambere, qui était le chef de canton de la zone de Pakal, a reçu le commandant dont j'ignore le nom, qui ne nous a pas été donné pratiquement par les lieux, qui était basé à Ziguinchor. C'est suite à la demande, n'est-ce pas, de ce commandant qui voulait. Chaque fois qu'il faisait une tournée dans cette zone, voulait, après avoir traversé le fleuve, c'est aller continuer directement son chemin. Malheureusement, il y avait un fleuve et il fallait faire un contour. Pour éviter ce contour, il a demandé au chef de canton de lui chercher quelqu'un qui sera au niveau de Mounting pour qui, s'il arrive, il informe. Le reste des autres chefs de canton, c'est-à-dire informer le chef de canton qui est à Pakal, et celui-là revenait le rencontrer au niveau de Mounting. Parce que sans cela, il était obligé de faire le grand tour, et ce tour peut-être ne pouvait pas, il en prenait beaucoup de temps. Mais pour gagner du temps, il a demandé vraiment à ce que le chef de canton installe quelqu'un qui va le représenter au niveau de Mounting. C'est ainsi que Elhadj Aliou Sambere a demandé son frère Demba Diabou Sabali de venir s'installer à Mounting. Le chef de canton Aliou Sambere Sabali a accepté, mais lui, il était à Bonkontou, Pakal. Et c'est ainsi qu'il a demandé à son frère Demba Diabou de venir habiter à Mounting. Pour qu'à chaque fois que le commandant arrivait, il était chargé d'aller informer son grand frère Aliou Sambere qui venait rencontrer le commandant dans ce village. Donc il est venu s'installer à Mounting. C'est de là, maintenant, chaque fois que le commandant quittait Ziguinchor, il était informé, lui aussi à son tour informé son frère qui était basé à Bonkontou, Pakal. Donc dans ce village, il y a une histoire que les gens vraiment le reconnaissent. Il s'agit d'un grand arbre communément appelé localement Tabayel Dike. Dem ngangal durani hen ko sedaran min kal tabayengel gila min mauni tay fayda min ndara mimino yaran o am nibido tabayengel di jortano hunde din hen hunde gonde hen nene de velado tay law di jaggi sabuna be amen hewbe minirabe amen hewbe fayda ko he ngaybi no wonno non immanama daranama dum uyri duadi nguyri dum tigi sabuna o bidam biredo hami biredo sirifu busam bonawni ha nawnare de tidi ngirume sirifu busa sirifu busa wadani bo talkudu sirifu busa wi imi bo andaratu ba talkudu du maji lugere din ni tabayengel o on nyambe jahi ben do mbuloran bo anda ko nabi talkudu
bo arti dom boy imi talkuru andu maji meme dum tan e sirifu wino a andarat ma talkuru dum maji ta bayengel di jorta tay di hauni no wayi. Ce grand arbre du nom de Taba El Dikel, selon les dires, était occupé il y avait des esprits, ou si on peut dire, il y avait des djinns. Donc ces esprits-là n'étaient pas quand même favorables à la cohabitation avec les personnes. Ce qui a fait que durant un bon moment de l'histoire de ce village-là, il y a eu des accidents, parce que selon toujours les dires, ce qu'on nous a informé, que chaque fois que des enfants passaient à côté de cet grand arbre, finalement ces enfants-là devenaient infirmes. Ils avaient, quel que soit alpha, soit ils tombent malades, ils deviennent infirmes. Donc ce qui a fait que le chef de village Demba Djabou Sabali vraiment a pris à bras le corps vraiment pour faire face à ces esprits. C'est de là, bon, ils ont continué à implorer ou à faire des offrandes. Donc avec ça, l'autre remarque qu'il fallait signaler, c'est que quand une femme enceinte passait à côté, c'est sûr que vraiment pour que cette femme-là mette au monde un enfant, ça allait être difficile. Mais quand même, le chef de village, lui aussi, n'étant pas un profane, il s'est battu corps et âme pour au moins éliminer, voire diminuer vraiment la puissance de ces esprits. Donc par la suite, au fur des temps, vraiment, les esprits qui vivaient dans cette grand arbre-là ont commencé de se calmer et ont commencé vraiment de collaborer avec la population. Et petit à petit, les choses ont commencé de changer. Nelido biddo mum tay ko bofo bo nelido min raw am be redol abal julde on addoy cierna puli li cierna puli non arido on nan gemma e gerde mudum he der gandal mabbe weeri cierna puli on piure tay di wadi ngafi alla di cierna puli wiibo e ko wonno don ko dogi kono min on kala mi boyata tay erel dinni gahede le kongol wadaadi baari don kallo bo yo erel gel hikka hendu ara tangel yana gel kala ni waado no bantan alla no wadi hendu ari ngaram ariran erel gel yani no bo wi no wi den minen teskiru kala si min gaddino he gando wi amen fewru tabayengel kala koddo hen hasara hebde jidi mum satat dum non pi ko wurde tabayengel dum non min teski dum di non awone dulare al awawa teskade din halaji bayri a addag gando jilo do bi min yeso tabayengel ni ha ariga ari fewro ga fayda ho darake ko lawol avec Demba Djabou. Il a quand même su collaborer avec ses esprits ou djinné en faisant à chaque fois des offrandes pour les calmer, et cela était devenu un rituel. Et ce rituel
C'est ce que son petit-fils et par ailleurs son homonyme Demba Sabali, devenu par la force des choses un artiste international qui a son groupe et qui aujourd'hui veut perpétuer ce rituel que son homonyme faisait. Généralement, l'histoire, si on peut générer l'histoire de Mountain, c'est presque lié à l'ensemble de l'histoire du Fulabu. Parce que, comme vous le savez, le Fulabu vraiment est remarqué également à sa riche culture qui s'articulait autour des mariages, autour des célébrations de mariages, autour des célébrations des circoncis. Donc tout ceci, c'est des cérémonies qui marquent l'histoire du Fulabu.
ngel dumantin ko ngel ya a dollar ni ngel wadi no hawru ni ko ni mi fayda min tawri ngel ko ngel beydiri do ko heewan ko ni min tawri ngel ko ni ngel fuddira ngel lay ngel wado yi hawru ko dun hawru biki de wi a tabayel biken hommes et des événements qu'on aujourd'hui vraiment sont liés typiquement au Fuladu. Par exemple, si on parle de Fuladu, on se réfère tout de suite à certaines pratiques telles que la tradition, les cérémonies de mariage, la cérémonie, la fête de la vache, appelée Monde, les cérémonies de circoncis. Donc, tous ces événements-là, il y a une particularité qui fait que c'est l'identité du Fulani. Donc, on a des lettres qui sont nyamte, 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 des lettres qui sont
a yaji to darno ke sama batu la goddo dala do de lede kodda do e tabay dum non ke addi ustugol seeda wulun kon e der tabay de lede bara hina dum man de lede do tabo e tawanno ha ko de lede tan darono do tabay ki e chaliki e kelendu hay ko den kon dum wodo e tabay. Thank you.
Dans chaque village, quand vous allez, vous trouverez un grand arbre qui est là pour les grands événements, donc qu'on a l'habitude d'appeler le banta. Donc ça également, c'est des faits, c'est des éléments qui marquent, qui sont authentiques à la culture du Fulbe. Mi heban ta jamuna ni boba
Demba mballodo ni yimbe be on Allah walluma ko buri ni amin mo walla yimbe be amin Allah hinelaade mudum no Allah walluma ko buri ni mo walla yimbe be amin mo walla giddo makko mo walla ganyo makko selli samna sa yiine walli giddo walla ala yiine suka be walla rabbe ndu ehan ko hebaade ko hebaade no Allah okor mo harama ko alde makko be bomo itta walude idi mo fumora yiide makko be amin ya ya barke ndaba Allah okor walli en jara ko min ko tala en haa ko adda be kawra adda be kawra woni piu he cellanga ya barke Allah to min na ko Baby, kill what I make it your son here.